Hello guys, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. J'espère que vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et on lui rend toute la gloire. Aujourd'hui, je viens vous présenter une délicieuse recette de sauce gombo en pays baoulé. Dans ma sauce, il y aura un peu de peau de bœuf, triple, poisson mâchoiron, crabe et là, j'ai aussi de la viande de bœuf. J'ai ma quantité de gombo que j'ai déjà préparée. J'ai aussi trois piments. J'aurai aussi besoin d'un peu d'huile végétale. J'ai aussi mon adjuvant, cube magique crevette ou le cube de votre choix. J'ai aussi mon poisson séché, poudre de crevette, deux oignons et trois tomates. Pendant que je me prépare à passer à la recette, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet aussi de soutenir la chaîne. Et let's go! Dans une casserole, je suis venue ajouter tripes, viande et peau de bœuf ainsi qu'un demi-oignon découpé ainsi en petits morceaux, mon cube magie et mon adjuvant. Je vais rajouter aussi un peu de sel, comme vous le consommez la quantité. Et je rajoute un demi-litre d'eau à l'intérieur. On va refermer la casserole et laisser tout ça gentiment pré-cuit. Je rajoute toujours mon cube magie au début pour que cela ait le temps de bien cuire et que la viande ou le poisson, ce que vous faites, est déjà aussi un bon goût. Et 30 minutes, j'ajoute mon poisson sec. Ensuite, je vais rajouter le gombo et le piment. J'ai aussi ajouté crabe, oignon et tomate. Ainsi que là, je vais mettre maintenant l'huile. Je vais refermer la casserole et laisser tout ça gentiment continuer à mijoter. 25 minutes après, je viens retirer oignon, tomate et gombo. Moi, je veux le faire dans mon tablier. Pour cette recette, on n'a pas besoin que cela soit trop lisse. Voilà la texture que moi, j'ai obtenue, comme ceci. Et je vais rajouter là à la sauce. Après avoir bien mélangé ainsi, je rajoute mes morceaux de poisson. Ainsi que la poudre de crevettes. Bien remuer, réduire le feu et laisser la sauce gentiment finaliser. 25 minutes après avoir rajouté le gombo. Voilà. Ma sauce est fin, ready. Il vient de goûter la poupap. C'est trop bon. Trop, 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 trop bon. Délicieux résultat de ma sauce gombo en pays baoulé. Voilà ce que cela donne. Que moi j'accompagne de foutou banane. Vous pouvez aussi accompagner cela de foufou, de riz, de bankou, de ce que vous voulez. Donc ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été autant ravi de la partager avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et sur ce, moi, je vous souhaite un très bon appétit chez vous. Que Dieu prenne bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux délices.